Bonjour à tous, ici Pasqua et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Dragon Ball Xenoverse. Allez, on s'attaque à une nouvelle quête parallèle. La quête parallèle numéro 6, invasion de la Terre. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut battre Son Goku. Il faut, pour avoir la fin ultime, il faut garder Nappa en vie. Ensuite, on a une chance que Son Goku revienne réanimé et qu'il faille le battre, voilà. Voilà les objets qu'on a. J'ai toutes les attaques. C'est là où qu'on peut avoir le Kaioken et le Kaioken x3. Voilà. C'est cette quête que j'ai essayé de farmer un peu pour avoir tout le. Donc, déjà pour avoir le Kaioken et le Kaioken x3. Et ensuite, pour avoir la tenue de Kaio, enfin de Son Goku, type Tortue Géniale, enfin Tortue Géniale, Kaio quoi. Il me manque juste les pieds, j'aimerais bien l'avoir pour la prochaine mission principale. Enfin, pour la mission principale 3, donc je sais pas si cet épisode va sortir avant ou après. Hein. Vous verrez, de toute façon, voilà quoi. Mais en tout cas, c'est celle que je farme maintenant pour avoir la tenue de Son Goku. Voilà, donc si vous voulez le Kaioken, c'est celle-là qu'il faut faire. C'est bon, on va y aller. Allez, c'est parti. Donc voilà, pour cette mission, pareil, je n'ai pas mis de. Enfin, pareil que d'habitude, quoi, je n'ai pas mis de personne avec moi. Je suis seul. Parce que je l'ai fait plusieurs fois et je me suis rendu compte que même avec ce personnage, je pouvais la faire faire, quoi. Voilà. Allez. Tenshin Han écrit là. ではそろそろお前たちの望み通りお遊びは終わるとするベジータ俺にやらせてくれ一瞬で片付けてもうさせばもくてが好きにするがいい je suis pas quoi mettre pour la prochaine fois さて je vais peut-être mettre les Kenzan de Krillin je l'aime bien j'ai toujours bien aimé Krillin かっこ悪いなYupi, j'ai fait ça pour rien, bon ok. Allez! Oh putain, il s'est écarté au dernier moment. Allez! そうこなくて面白くないぜ。想像以上。一瞬で決着をつけた。おお、ノー、そこで決着。J'aime bien finir comme ça avec cette attaque-là, en fait. Bon.Bon, un coup de poing, voilà. Gohan arrive. Putain, il m'énerve. Voilà. Et voilà. Allez, Sangoku. Go. Oh putain. Se protéger. Là, on voit Vegeta en bas qui regarde le spectacle. Transformant Kaioken.
Allez. J'espère que je l'ai attrapé. Et nickel. Et on a l'événement qui arrive. N'a pas resté en vie, j'ai eu une chance, il est arrivé. Voilà, c'est comme ça qu'on peut avoir le Kaioken x3, il faut que Sangoku se réanime en Kaioken x3 en fait. Et là, en battant Sangoku, on a une chance d'avoir le Kaioken. On l'a pas à tous les coups, mais on a une chance. Et par contre, qu'il arrive, c'est aléatoire hein, aussi. Même si on garde n'a pas envie, il peut ne pas venir. Hein. Parce que avant de vous montrer celle-là, je l'avais déjà faite. Je l'ai fait plusieurs fois avant. Sangoku, même si si les conditions étaient remplies, Sangoku n'arrivait pas. Enfin, ne se réanimait pas. Putain, merde! Putain, mais merde! Allez! Je lui ai cassé son Kamehameha, nickel! À moi! Ah, il a bloqué! Ouf! Bon, même s'il n'a pas meurt, c'est pas très très grave. Je perds pas. Oh putain! Allez! Bon, c'est bon, là il est mort. Ah non! Bon, j'aurais pas Z. Hein. Bon, là il a attrapé ça, non? Et voilà, fin ultime. Ah, j'ai eu Z, bon, me voilà. Voilà comment faire la fin ultime en fait. Il faut garder Nappa en vie et avoir de la chance. Espérer que Sangoku se réanime avec le Kaioken x3. Voilà. Et voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao!